On va pour vous éclairer sur ces questions d'immigration et protection sociale, vous avez le droit à deux économistes. Donc Lionel Rago, professeur d'économie à l'Université Paris-Dentaire, il est conseiller scientifique au CEPI, donc le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Il est aussi chercheur affilié à la chaire Transition démographique, Transition économique. Et je me présente également, donc Ekram Bouktan, maître de conférence en sciences économiques, habilité à diriger la recherche à l'Université Clermont-Auvergne, au CERDI, et aussi chercheur associé à l'École d'économie de Paris. Donc avant de passer la parole à Lionel, donc j'ai la double charge en fait d'animer la table ronde et d'intervenir un petit peu pour animer un petit peu le débat, j'aimerais en fait introduire cette table ronde en faisant le lien avec la table ronde précédente sur l'impact économique des migrations et surtout en fait revenir en fait un petit peu sur cet effet macro, en fait, effet de l'immigration dans sa globalité sur l'économie. Je partage bien sûr le constat qui a été fait que l'immigration qualifiée est un facteur important de croissance économique, mais l'économie européenne, comme l'économie française, elle a également besoin d'immigration, de personnes qui n'ont pas nécessairement poursuivi des études supérieures, donc qui ne rentrent pas dans cette catégorie d'immigration qualifiée. Et malheureusement, ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est que l'absence de voies régulières d'immigration pour ces personnes et pour leurs familles, ça se traduit par le fait que ces personnes prennent des voies irrégulières de migration au péril de leur vie. Donc ils arrivent dans des conditions qui ne sont ni satisfaisantes pour les personnes elles-mêmes, ni satisfaisantes pour nous autant que pays d'accueil. Et surtout, en fait, on observe qu'ils arrivent pour occuper des emplois qui sont quelquefois informels dans l'économie souterraine, mais beaucoup aussi occupent des emplois qui sont formels. Ils se débrouillent effectivement pour trouver une façon de s'insérer sur le marché du travail. Et donc, ils s'exposent à des abus, à l'exploitation, voire à la traite des êtres humains. Donc, c'est important d'avoir aussi en tête que les besoins de main-d'œuvre, tels qu'on les observe aujourd'hui et tels qu'on les a toujours observés en France, ça concerne aussi des postes non qualifiés. Et que ces travailleurs, certes, effectivement, vont être payés au salaire minimum, mais comme tout et chacun, ils ont le droit de vivre en famille. Et donc, il nous faut aussi cette voie de migration familiale pour des travailleurs qui ne sont pas nécessairement les travailleurs, ce que je mets entre parenthèses, qui sont les talents. Et je ne peux que constater, et je pense que le professeur Errant peut le confirmer, qu'il a une connaissance plus étendue que moi-même sur les conditions de regroupement familial en France, qui sont déjà extrêmement restrictives. Et donc, ce point-là me semble important, et donc là, je reprends ma casquette d'économiste et précisément de macroéconomiste, pour aussi dire que dans la recherche en économie, lorsqu'on regarde l'immigration dans son ensemble, et lorsque précisément on regarde l'immigration familiale, cela ne veut pas dire que notre politique actuelle est parfaite, ou notre politique passée est parfaite, mais simplement, lorsque simplement on regarde les données notamment qui ont été présentées par le professeur Errant, et lorsqu'on analyse l'interaction entre l'économie et les flux migratoires, ce qu'on montre, que cette immigration familiale, certes on ne l'a pas choisie, certes, on ne l'a pas sélectionné sur les compétences, mais cette immigration familiale, elle a un effet positif sur le niveau moyen de vie en France. Qu'on regarde la période des années 70 jusqu'au début d'années 80, où on avait une immigration un peu différente, moins qualifiée, et une immigration plus récente, donc des années 90 à nos jours, qui est un petit peu plus qualifiée. Et là, lorsqu'on regarde ces données-là, ce qu'on observe, effectivement, qu'on constate que cette immigration familiale, elle n'a pas contribué à augmenter le chômage, c'est plutôt le contraire qu'on observe, c'est plutôt une baisse du niveau du chômage moyen en France qu'on peut affecter comme facteur à l'arrivée de cette immigration familiale. Et on observe aussi un effet positif sur le niveau de vie moyen. Donc, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par notamment le professeur Rapoport, qui a bien marqué ce sujet de complémentarité. Arriver en fait à une convergence lorsqu'on va analyser quelque chose d'aussi complexe que l'économie,
et dans le même temps le phénomène migratoire. Et dans la multitude des facteurs qui pourraient influencer le taux de chômage de notre pays, le niveau de croissance économique, le niveau de dépenses sociales, le niveau des recettes publiques, comment identifier et établir un lien causal entre l'arrivée des personnes et un élément précis de notre économie. Et donc c'est un sujet de recherche sur lequel on travaille tous, d'une manière ou d'une autre, ici, et qui n'est pas complètement déconnecté du sujet de la protection sociale, parce que comme vous le savez, probablement, c'est que le financement de notre protection sociale est d'abord étroitement lié à la croissance économique. Et donc le premier facteur de financement de la protection sociale, ça va être la croissance économique. Le sujet qui est posé, c'est, dans le débat public, c'est cette perception d'une immigration qui provient principalement des pays moins développés, plus pauvres, et donc cette crainte que les dépenses qui vont... La part attribuable dans les dépenses publiques aux immigrés serait plus importante que les recettes auxquelles ils contribuent. Cette interrogation, elle est parfaitement légitime dans une société, mais malheureusement, dans le débat public, on se focalise sur les dépenses et généralement, les recettes, ils passent en trappe. Et généralement, on va se focaliser sur des sujets particuliers de la dépense sans simplement prendre ces dépenses publiques dans leur ensemble. Alors, pour ne pas être trop longue, parce qu'on a moins de tonnelles, donc on ne sait pas quelles sont les dépenses qu'on va attribuer aux femmes par rapport aux hommes. On ne connaît pas non plus les dépenses qu'on va attribuer selon les catégories par âge, lorsqu'on prend les dépenses publiques dans leur ensemble. Alors pour les recettes, c'est encore plus compliqué. Et donc, une partie des travaux d'économistes se sont focalisés. Ils ont essayé de développer des méthodologies qui se basent sur des hypothèses qui ont été discutées dans la communauté, qui permettraient d'établir une approche comptable, de reconstruire, d'estimer, comme si on avait une comptabilité nationale qui le permettait, quelle est la part des dépenses publiques qu'on peut attribuer à l'immigration et quelle est la part des recettes qu'on peut attribuer à l'immigration. Pour cela, il faut mobiliser des sources de données annexes et c'est le travail que font effectivement les travaux qui reposent sur l'approche comptable et Lionel, ici présent, va consacrer sa présentation effectivement à ce travail parce qu'il fait ce travail-là depuis un certain nombre d'années. Et qui l'a fait notamment sur le cas de la France. Alors, l'approche comptable nous permet d'avoir cet état des lieux qui est important, à la fois pour éclairer le débat public, qui est pollué par des personnes qui font des calculs de coin de table, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu la perception que j'ai du sujet, lorsqu'une personne arrive avec un chiffre et qui présuppose que l'immigration est une charge pour les finances publiques françaises. Donc au-delà de cette approche comptable, elle est importante, elle nous permet d'avoir cet état de lieu essentiel parce qu'on ne peut pas étudier un phénomène tant qu'on n'a pas pu le quantifier précisément, mais on la complète dans les travaux en économie par une approche où on va prendre en considération. Donc pour cet éclairage très, très complet, effectivement cette question de la contribution de l'immigration dans un contexte de vieillissement est particulièrement importante. Et surtout, ce que j'ai trouvé bien parlant, c'est que le premier effet, effectivement, c'est un effet démographique de structure par âge. Et non seulement la population immigrée est très jeune, mais surtout les flux migratoires, ça veut dire que les personnes qui arrivent dans le pays sont particulièrement jeunes. Et elles sont non seulement particulièrement jeunes, mais elles sont de plus en plus qualifiées. Parce que lorsqu'on regarde le niveau d'éducation des personnes qui sont arrivées dans les 5 dernières années en France, leur niveau d'éducation, ils sont surreprésentés, certes, dans la population moins qualifiée, mais ils sont aussi surreprésentés dans la population qui est la plus qualifiée. Donc je vais essayer de faire très vite pour compléter un petit peu ces propos avec une approche, en fait, un peu différente en termes de méthodologie, mais qui rejoint un petit peu les conclusions, mais qui nous permet en fait un petit peu de dire quelque chose sur l'impact en fait à moyen terme. Alors chez les économistes, le moyen terme, c'est dans les 10 ans qui suivent l'arrivée des personnes immigrées sur le territoire.
Et c'est un peu l'objet d'un travail de recherche que j'avais effectué en fait avec mes co-auteurs Hippolyte Delbis et Draman Colli. Oui, non, effectivement, c'est un sujet sensible. C'est pas évident pour les économistes de travailler sur ce. Et on ne publie que dans des revues académiques, mais c'est relayé par la presse à juste titre d'ailleurs. Donc sur les travaux de, bon, tu as mentionné son nom, Gourevitch, parce qu'on le retrouve fréquemment dans la presse. Alors, deux choses. Bon, c'est pas un économiste, c'est un essayiste, d'accord. Mais il faut lui reconnaître la très grande transparence de la manière dont il fait ses calculs. Et il a réactualisé ses travaux. Bon, il a bien compris qu'il y aurait un temps médiatique, et donc il avait réévalué ses travaux l'année dernière. Et là, il nous a refait 6 mois après une nouvelle version pour capter le temps médiatique, qui montre que ça coûte énormément. Mais on a eu accès à son dossier, et on a regardé dans le détail. D'ailleurs, on a fait une tribune dans la presse, justement, parce qu'il y a un tas d'hypothèses. Il est transparent. Je ne sais plus. Je crois que c'est le point. Mais je vais vous donner un exemple. Alors, il y en a un où, effectivement, même les académiques se posent la question. Est-ce qu'on met les enfants ou pas? Alors, on l'a fait, nous. On a fait plein de variantes, avec les enfants, sans les enfants, etc. Donc vous pouvez retrouver l'article, vous aurez le calcul, vous pouvez comparer. On l'a fait justement pour pouvoir être comparé. Ça pose un problème, les enfants. Pourquoi? Pourquoi pas? Je veux dire, ils ne seraient pas dans la société française si les parents n'étaient pas là. Donc on peut dire que c'est le résultat de la migration. Donc pourquoi pas? Mais où ça pose un problème, c'est qu'on les intègre dans le calcul jusqu'à 16 ans. Et après 16 ans, ils basculent chez les natifs. Parce que la plupart sont nés en France, donc normalement sont des natifs. Et donc ils basculent chez les natifs après 16 ans. Or, je ne vais pas vous remonter mon graphique tout à l'heure, vous êtes contributeur net positif qu'entre 18 et 55 ans, d'accord? Donc si on prend les enfants entre 0 et 16 ans, bien sûr, c'est que des coûts, entre guillemets. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de cotisations. Par contre, ils bénéficient de dépenses de santé, d'éducation et autres. Donc ça gonfle énormément. Puis, par magie, quand ils passent à 17 ans, où on se rapproche de l'âge où ils vont avoir une contribution être positive, hop, ça devient des natifs. Donc ça, c'est le premier problème. Après, je vais vous donner un exemple concret où vraiment ça nous a fait bondir, quoi, parce que je ne vais pas dire que c'était un grand quotidien qui a repris ses travaux et qu'on a fait un grand titre. D'accord ? Et donc c'est un autre un magazine qui nous a dit, parce que vous pourriez regarder ça pour nous dire si c'est sérieux ou pas. Okay, je vous donne juste un exemple. C'est pour vous montrer à quel point, enfin, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Il prend plein d'éléments dans les coûts. Donc, en particulier, il va prendre le coût lié au trafic de drogue qu'on peut attribuer à la migration. Et donc, on peut trouver dans beaucoup de documents administratifs, grosso modo, ce que les pouvoirs publics dépensent contre le trafic de drogue. Okay, et il considère que 90% de ces dépenses sont attribuables à la population immigrée. Ok. Mais en disant simplement, lisez les journaux, vous verrez quand même que le trafic de drogue s'est associé aux immigrés. Voilà, c'est le seul point. Okay. Et puis après, il dit, mais attention, parce que le trafic de drogue, ça a des effets sur la santé, non négligeables. Et donc, il y a une évaluation aussi des coûts pour la santé. Et on se dit, il va garder au moins les 90%, un peu de cohérence logique, même si ça n'a aucun fondement, ce 90%. Okay. Et puis là, il dit, regardez finalement tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc là, on va prendre 100%. Donc 100% des dépenses de santé liées aux problèmes de drogue sont attribuées à la population immigrée. Et donc, vous avez plein d'éléments comme ça, vous voyez, où il n'y a aucun fondement logique. C'était le titre de notre tribune, ça relève de la perception. L'argument, c'est regarder les journaux, vous voyez bien que la drogue, c'est lié aux immigrés. Donc, pourquoi 90, pourquoi pas 95, pourquoi pas 85? Puis surtout, après, quand on prend l'impact des dépenses de santé liées aux problèmes de drogue, là, ça devient 100%, avec un argument complètement fallacieux. Pourquoi il passe de 90 à 100? Donc, c'est pas sérieux du tout. Mais j'insiste bien, il est transparent. Donc, on peut critiquer à juste titre ce qu'il évoque. Mais donc, prenez avec beaucoup de réserve les chiffres qui circulent quand ce n'est pas des travaux académiques. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, les travaux qu'on a faits, là, on s'y est mis à trois et ça a duré pendant 2-3 ans. Comme Ekram l'a dit, il a fallu la comptabilité nationale, mais surtout, la comptabilité nationale ne nous dit rien sur immigrés natifs et l'âge.
Et donc, on utilise des tas d'enquêtes, l'enquête budget des familles, l'enquête santé, l'enquête protection sociale. Donc, c'est des enquêtes de 14-15 000 personnes représentatives de la population française. Et donc, c'est 2-3 ans de travaux. Donc, ce n'est pas juste 90%, le chiffre, etc., etc. Donc, soyez vigilants sur des chiffres qui circulent dans la presse sur cette question-là. J'aimerais effectivement rapidement rappeler aussi, c'était un petit peu ce que j'avais essayé de dire dans mon introduction de mes propos, c'est-à-dire qu'on est quand même en présence d'une question dans laquelle on met à la même échelle des personnes qui font des calculs de coin de table, avec tout le respect que je peux avoir pour ces calculs-là. Le système universitaire fonctionne où on fait bien sûr des hypothèses. Ils peuvent dépendre de ces hypothèses-là. Mais la démarche scientifique, c'est d'avoir effectivement une communauté qui évalue la rigueur de la méthodologie et qui valide ou pas les résultats. Et ça, ça fait science, en sciences humaines. Même en sciences humaines, effectivement, c'est comme ça qu'on a une science, qui n'est peut-être pas une science exacte comme la physique, mais qui permet aussi de donner une certaine, de donner un petit peu une certaine réalité telle qu'on la mesure. Et c'est vrai que c'est très regrettable, à titre personnel, qu'on mette à la même hauteur des travaux universitaires, quasiment dans le même article de presse, voire on vous demande de réagir pour donner une réponse de qualité, avec effectivement un travail qui est fait, mais sur ces hypothèses-là, on peut discuter, et ça n'a pas été tranché par une communauté de spécialistes. C'est ce que j'avais mis au petit... slide, hein. Voilà, mon premier slide, c'est-à-dire la perception et le bon sens, c'est que c'est souvent les arguments qui sont mis en avant, c'est qu'ils contribuent moins parce qu'ils sont moins qualifiés. Donc effectivement, ils ont des métiers moins bien rémunérés, donc ils payent moins de cotisations sociales, etc. Donc, les deux autres arguments, c'est qu'ils perçoivent plus de prestations sociales parce qu'ils sont plus souvent au chômage et allocations familiales. Les ménages immigrés ont plus d'enfants. D'accord ? Ça, c'est des réalités. C'est des réalités. Et ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que ces réalités n'aboutissent pas au résultat final que la population immigrée pèse sur les finances publiques. Et pour une raison principale, ça vient de la structure par âge de cette population. Donc, en moyenne, à un âge donné, elle va contribuer moins à l'âge actif, mais la population immigrée est concentrée justement sur ces personnes qui ont une contribution nette positive. Ce qui fait qu'au total, c'est quasiment neutre pour les finances publiques. Si je peux compléter, en fait, c'est ça la difficulté de lutter contre ces idées reçues, parce qu'ils partent d'un constat. Et on est d'accord avec le constat, c'est que les immigrés sont en moyenne moins bien payés que le reste de la population. Sauf que c'est le lien de causalité de dire donc l'effet sur les finances publiques, il est négatif. Cette conclusion, c'est un raccourci qui est très simpliste, qui peut paraître évident, parce que bien sûr qu'il y a une corrélation entre le revenu de chacun et sa contribution aux finances publiques, mais les choses sont plus complexes même lorsqu'on regarde l'aspect comptable. Et c'est un petit peu la richesse de la présentation de Lionel, c'est qu'on voit que même en regardant juste les liens comptables, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que je trouve qu'un argument qui est facile, notamment sur la question de la protection sociale, c'est la question d'âge. Personne ne peut dire aujourd'hui que la majorité des immigrés qui arrivent dans notre pays sont âgés. Et on sait qu'il y a une corrélation très forte entre les dépenses de protection sociale et l'âge. Et donc on est en présence de personnes qui sont contributeurs nets. Il y a bien sûr des personnes qui vont dire, mais ils seront aussi dans le futur, ils vont aussi percevoir parce qu'ils contribuent aujourd'hui, mais ça leur donne des droits futurs. Mais en fait, la dynamique migratoire, ça ne remet pas en cause ce processus-là. C'est pour ça, comme l'a dit Lionel, c'est pas une solution au vieillissement de la population, mais n'empêche, l'arrivée de personnes qu'on n'a pas formées, sur lesquelles on a économisé en fait un coût public, qui arrivent en plein âge de travailler, resteraient des contributeurs nets à notre économie. Oui, merci. Moi, je voulais juste ajouter et poser en même temps une question, une remarque. C'est que, en dehors de... Oui, on l'a, puisque il y a des flux qui rentrent chaque période, et des flux qui rentrent avec leur structure qui leur est spécifique. Mais juste un point qui est peu connu en France. Effectivement, on insiste beaucoup sur le fait, ce qui est vrai, que dans la population immigrée, la part des faiblement qualifiés est plus importante que par rapport à la population des natifs. Mais inversement, et je crois qu'Ekram l'a dit au détour d'une phrase, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu, si vous prenez la part des hautement qualifiés, donc licence et plus, dans la population immigrée, cette part est plus importante que chez les natifs. Donc vous avez dans la population immigrée, en pourcentage, plus de hautement qualifiés qu'il n'y a dans la population des natifs.
Donc ça montre bien l'ambivalence. En réalité, c'est sur les moyennement qualifiés que se fait la différence, hein, grosso modo. Mais tu as raison, Boub, hein, c'est que les flux qui rentrent sont de plus en plus qualifiés. Et tu as expliqué pourquoi, parce que le niveau de qualification augmente dans les pays d'origine. Et l'écart a tendance un petit peu à se réduire. Juste deux dernières questions, Madame la Ministre, tout d'abord, et Monsieur Jean-Claude Deschamps, président de la Commission éducation du CESE. Allez-y, Madame la Ministre. Merci beaucoup, et merci à vous deux pour cette table ronde si instructive. J'aimerais savoir si, dans les travaux que vous avez suivis, les bonnes études, parce que poursuivre des bonnes études, même dans un pays où on a un financement public de l'éducation, il faut être orienté. Il faut choisir la bonne voie. Et quand vous avez des parents qui sont illettrés, qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas le système des grandes écoles, les systèmes de prépa, les enfants ne sont pas nécessairement bien orientés. S'ajoute à cela un problème de confiance en soi, avec un problème d'information sur le marché du travail, parce que trouver un emploi, un bon emploi correspondant à ses qualifications, suppose avoir les bons réseaux. Et ça, c'est pas une question de discrimination, c'est simplement une question d'information imparfaite sur le marché du travail qui ne permet pas une égalité des chances réelle, même si on œuvre politiquement à mettre en œuvre cette égalité de chances, notamment effectivement via notre école qui est censée être inclusive. Donc oui, l'ascenseur social est un peu en panne et on observe de plus en plus des difficultés de la seconde génération à s'intégrer. Surtout à trouver des emplois qui sont à la hauteur de leur aspiration et à l'hauteur de leur qualification. Donc je termine avec la question de l'information, puisque ça me fait un petit peu le lien. Donc je pense qu'il y a un sujet d'information, notamment pour choisir, si je reste sur le sujet de la seconde génération, pour choisir la bonne voie, il faut avoir accès à une information, et l'accès à l'information n'est pas égalitaire entre selon qu'on vient d'un milieu populaire ou selon qu'on vient d'un milieu éduqué, sans parler effectivement d'antécédents migratoires. Alors, sur la question politique, oui, effectivement, j'ai été invitée plusieurs fois par des parlementaires pour parler de ces sujets, mais de mon expérience, ma petite expérience personnelle, ce que je constate, c'est que les personnes qui ne veulent pas entendre que l'impact de l'immigration familiale sur l'économie est positif, généralement ne m'invitent pas. Donc effectivement, c'est-à-dire de porter un discours qui dit effectivement que l'impact global de l'immigration il est plutôt positif, c'est plus facile effectivement de parler d'immigration qualifiée. Comme l'a montré effectivement Hélène Rapoport, il y a quand même une adhésion publique qui est plus forte. Et du coup, c'est beaucoup plus facile politiquement, quel que soit le bord, d'aborder la question de l'immigration qualifiée. Mais quand vous arrivez avec un résultat, même ce qui a été publié dans plusieurs revues, que vous le retrouvez sur plusieurs séries de données, et que vous dites, même si je prends l'immigration familiale dans leur ensemble, je trouve un effet positif, c'est vrai que finalement, il y a une sélection qui va être faite à la fois dans le milieu médiatique comme dans le milieu politique, qui on va être convié par les personnes qui sont prêtes à entendre effectivement ce résultat-là. Donc voilà. Merci à vous, Madame Boutane. On va pouvoir passer à la troisième table ronde. Merci encore à vous. Donc la troisième table ronde, le thème immigration et métiers en tension. J'invite Monsieur Saïd Amouche, conseiller au CESE, président de la Fondation Mosaïque